Bon bah ça y est, on est arrivé à Budapest. Je ne regarde pas quand je me filme. Allez, c'est déjà assez compliqué pour moi et on n'a pas beaucoup de temps, on va te préparer. Eh ben allez, moi je suis prêt. Non. Non. Oui, je suis prêt. On avait deux missions en arrivant, changer nos sous, parce que c'est pas du tout la même monnaie ici, du coup c'est en forint et chez nous c'est en euros. Seconde mission, c'était de trouver un taxi pour aller jusqu'à notre hôtel. Du coup, on a réussi les deux. On a failli ne pas avoir de chambre d'hôtel, parce que du coup, il y a eu un problème avec la carte. On comprend rien en plus à ce qu'on nous dit, même en anglais. Du coup là, il est 17h, on a eu du retard. Il y a Post Malone qui passe à 21h30, donc il faut qu'on y soit au moins avant, 2 heures avant au moins. On se retrouve aux Ziguettes. C'est parti, nouveau défi. Il va falloir trouver le Ziguette. Est-ce qu'on va y arriver du premier coup? Telle est la question. On est le jour 2 à Budapest. L'entrée du festival, c'est un what the fuck, genre c'est n'importe quoi, vraiment. Genre, ils te fouillent à peine, mais il n'y a même pas de fouille au corps, rien, même pas de fouille des sacs. Après, je sais pas si c'est parce que c'était déjà le milieu du festival et qu'ils étaient fatigués. C'est pas une île en fait, le Ziguette, c'est une ville avec des quartiers où à chaque virage qu'on prenait, on avait l'impression de rentrer dans un nouveau festival en fait. Il y a des scooters, des trottinettes, des vélos en plein milieu du festival. Les campings, enfin, il y avait des tentes un peu partout au milieu du festival. Ça veut dire qu'il n'y a pas un espace camping réservé. Enfin, je crois qu'il y en a un, mais c'est VIP du coup. Mais tout le reste des campings, en fait, c'est vraiment en plein milieu du festival. Genre,
en fait n'importe qui peut aller dans une tente et rester sur le festival même s'il n'a pas le camping en fait. Information cruciale avant de venir au Zigat Festival, il faut vous entraîner à marcher. Si vous n'êtes pas vraiment des sportifs et si vous n'avez pas des bonnes jambes et surtout des bonnes chaussures, bonne chance, vraiment, parce que c'est vraiment immense, très très immense. Il y a vraiment énormément de choses à voir, énormément de monde. Comment vous dire que dans la scène principale pour Post Malone, je ne voyais rien, même pas les écrans, tellement il y avait de gens autour de moi. Malheureusement, j'ai filmé avec mon téléphone. Bon, il est quand même d'une bonne qualité, j'espère que ça fera au montage, etc. Parce que l'appareil photo, clairement, c'est impossible de le sortir. Il y a vraiment trop de monde qui passe devant moi, qui me bouscule, etc. Donc l'appareil photo, maintenant, je vais juste faire le récap avec et je vais le laisser là parce que c'est pas possible. On va descendre au spa de l'hôtel. Le bruit le plus sexy du monde. J'arrive pas. Dream about a space, but now they're laughing at the face.
Voilà comment on finit le festival sous la pluie.